Il s'appelle Kyle Gordy et il pratique un métier pour le moins insolite. I'm a free sperm donor currently in the UK. Cet Américain de 30 ans est donneur de sperme et il est déjà le père biologique de 46 enfants. If anyone else is looking for my help, I can travel pretty much anywhere in Europe. L'homme actuellement en tournée en Europe offre gracieusement ses services à toutes les femmes qui souhaiteraient devenir maman. Si la plupart de ses dons se font par insémination artificielle, il lui arrive dans 10% des cas d'avoir une relation sexuelle. Et le service après-vente est assuré puisque Kyle Gordy prend toujours des nouvelles du bébé à sa naissance. Voilà de quoi faire enfin baisser le chômage. C'est pas mal, hein. Non mais Cyril, oui, Gilles Verdet. Franchement, c'est un gigolo des temps modernes, Cyril. Alors, il prend pas d'argent, mais c'est honteux, quoi. Il fait ça pour faire l'amour, il se... Daniel, vous vous laissez corriger? Non, il fait pas l'amour. Non, il fait pas l'amour. Mais non, c'est fait l'amour. Si, dans 10% des cas. C'est énorme, mais c'est rien. Béatrice. Il livre à domicile, excusez-moi. Ça va, vous, sinon. Daniel est chaude bouillante pour avoir son... Non, mais je trouve que c'est un numéro. Non, mais c'est vrai, Daniel. Non, mais je trouve que c'est un philanthrope. Il prend des nouvelles, il lâche pas les gens. Si la personne a envie plutôt de le faire de façon traditionnelle, il le fait. Et il prend pas d'argent. C'est pas un gigolo. Non, mais c'est du fétichisme à ce niveau-là. C'est du fétichisme. Il fait ça parce que. Non, mais c'est pas normal. On peut donner du sperme à petite dose, j'ai envie de dire, pour aider quelques femmes. Ou voilà, on le fait de façon anonyme la plupart du temps. Mais là, clairement, le mot fétichisme, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu l'article personnellement. Après, non, mais c'est quand même fascinant. Vous connaissiez Mathieu et vous, pas du tout, parce que vous êtes. Si on se connaissait avant. Avant, oui, on s'était vu. Chroniqueur dans TPMP. Une ou deux fois. Pas très personnellement, mais en tout cas, on s'était déjà croisés. On avait fait soirée bus. On avait beaucoup rigolé. Soirée bus. C'est quoi soirée bus? C'est un disco bus. C'est un bus qui traverse Paris. Ah, d'accord. Il y avait quoi, une vingtaine de gays sur 20 personnes dans le bus. C'est la première fois qu'on se rencontrait. Tout à fait. Et on a beaucoup rigolé. On a beaucoup rigolé. On était là. C'était une soirée gay bus. C'était un bus mixte. Et voilà, le bus avance, on boit un peu, on rigole. Ouais. Le bus s'arrête. Le bus s'arrête, les bus avancent. Le bus avance, le bus recule, le bus avance. Je sens que vous êtes descendu au dernier arrêt. J'étais jusqu'à la fin de la soirée. Ah ouais, ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés, que j'ai trouvé charmant. Ah ouais, c'est vrai. Et qu'on a eu l'idée après pour TPMP People. Ça, bravo. Ouais, ouais, on avait bien rigolé, bonne complicité. Ouais, on se taclait un peu, on aimait bien, on se taquinait. Oui, hein. Et puis à la fin, t'avais plus de chemise. Et puis, ça, c'est assez classique, voilà. J'ai envie de dire. Et quand il a mis son slip sur vos yeux, c'était génial. Donc c'est l'interview que je lui ai faite pour le proposer à TPMP People. Très bien. Dans le bus. Eh ben, très bien. Bah, plus dans le bus, alors. Ouais, j'ai voilà, envie absolument. De vous dire. On continue. On le refait à bientôt, si vous voulez venir. Non, merci. Non, non. Un disco bus. Il n'aime pas le bus. Non, franchement, j'ai ma voiture. C'est génial, c'est que personne ne peut descendre tant qu'il y a le bus. Oh, bah, vous en regardez pas, j'ai mon véhicule. Ok.